parle de l'octroi de mer parce que c'est un sujet qui est pleinement d'actualité. C'est un sujet qui fait l'objet d'un débat au niveau national et portant sur un projet de réforme. Mais c'est avant tout, en Guadeloupe, un sujet qui est vital. C'est une imposition qui constitue une colonne vertébrale de nos économies d'outre-mer, dans la mesure où elle protège d'une certaine façon le secteur privé, dans le sens où elle compense ce qu'on appelle les surcoûts de production dans nos régions d'outre-mer, mais elle finance également les services publics de proximité, parce que son produit est réparti entre les communes de l'archipel. Cette taxe a la particularité de frapper à la fois le produit importé, donc qui arrive par la mer ou par avion, et le produit qui est fabriqué par les usines guadeloupéennes. Donc cette taxe, elle touche toutes les catégories de produits. Elle a un taux moyen d'à peu près 7%. Elle représente un produit qu'on estime à 300 millions d'euros dans l'économie guadeloupéenne. Et pour l'ensemble de l'outre-mer, on parle de 1,7 milliard d'euros. Donc c'est une taxe qui a toute son importance et qui représente un gros volume financier. L'octroi de mer rentre naturellement dans la composition du prix final d'un produit. Mais il s'agit d'un impact très limité. Ça veut dire qu'on a tendance à pointer du doigt l'octroi de mer en considérant que c'est le facteur aggravant du prix des produits sur nos marchés, loin de là. Il y a plusieurs éléments qui rentrent dans la constitution du prix final d'un produit. L'octroi de mer intervient pour une part extrêmement limitée. Il va de soi que la production locale est la réponse idoine au problème de la vie chère, parce qu'on réduit les coûts d'approche d'un produit lorsque ce produit est produit localement. Mais en plus, lorsqu'on rend notre système productif plus performant, on crée de l'activité économique et on crée de l'emploi. Je rajouterai également que lorsqu'on produit localement, on est en pleine décarbonation de ce qu'on consomme. On a tout intérêt à gagner en part de marché sur les produits locaux par rapport à tout ce qu'on consomme. C'est notre vie économique qui en dépend. C'est clairement un instrument d'autonomie fiscale. Et je crois que le statut fiscal de la Guadeloupe, si la Guadeloupe doit avoir un jour un statut fiscal propre, il sera inspiré de ce qu'est l'octroi de mer aujourd'hui.